Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le sixième déjà épisode de mon Let's Play sur la saison 2 de Mountain Blade Warband. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, on avait une bonne petite équipe. Oula, attendez, j'ai le nez... Non, les oreilles bouchées, voilà. Donc, j'avais fait une bonne petite équipe. Restait plus qu'à l'améliorer, à augmenter notre renommée pour y arriver. Le seul moyen, c'est de se battre et faire des missions. Et là, bizarrement, au début de la partie, je croise 50 000 personnes qui veulent me taper dessus. Et là, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, je vais arriver à un stade où je devrais me battre avec des... Avec des armées adverses, en fait, où il faut que je me fight avec une autre personne. Mais le problème c'est que comme je suis pas j'ai pas encore fait d'allégeance au royaume des Rolocs, et ben pour l'instant c'est pas possible. On va aller du côté de Jelkala, voir s'il n'y a pas le roi qui se bad. Ah, puis en plus à chaque fois que je fais un entraînement, j'ai une promotion, ce qui fait que ça va finir par me coûter cher. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui es-tu? Comte Tribidan. Le roi Gravette. En route pour Jelkala et du côté... Il devrait être du côté de Shelkes maintenant. C'est où? C'est là. Oh la vache, c'est plus 14. Ils se sont fait démonter. Roi Gravette. Alors. Une lettre. Bon bah allez, on y va. Hein. Château d'Almera. C'est où le château d'Almera? Oh, mais c'est pas loin. Là, pour le coup, je veux bien le faire, parce que c'est pas très très loin. Donc on va y passer. Bon, je doute qu'après la méga armée qui est passée, je trouve beaucoup de monde. Enfin. Alors, château d'Almera. Vraiment personne. Hein. Je pense qu'on ira faire un tour du côté du camp d'entraînement qui est là-bas. Histoire d'entraîner un peu tout le monde. Ça peut être pas mal. Voilà. Mais il n'est pas là? Pour Dame Forbessa? Non. Ah, attendez. À Comte Tacrias. Ah, attendez, Comte Tacrias. On va demander à la nana où est-ce qu'il peut bien être. Il devrait être près du château d'Almera en ce moment. J'ai failli lui mettre un pain à la gueule. Mais il est où? Ah non, c'est pas sympa là. Où est-ce qu'il est? En plus on voit rien, il fait nuit. Il est pas là. Ah, il est là. Va pas trop vite, va pas trop loin.
Viens là. Où est-ce qu'il va? Ok. Donc, le Royaume des Nord a déclaré la guerre au Royaume de Strodia. Alors. Voilà. Bon, la quête est accomplie. On va aller du côté du camp d'entraînement. Ensuite, on reviendra à Jelkala. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe là? Siégeage, enfin... Siégeage, ça se dit pas, siégeage. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a le roi dans le coin? Non, je crois qu'il y a juste le maréchal. Ouh, il va y avoir des grosses bastons. Nous, on s'en fiche. On va aller parler avec les mentors. Qu'est-ce que tu veux, le mentor? Boum. C'est tout? J'ai pas lu, hein. Un combattant novice, vous devez gagner deux combats supplémentaires. D'accord, en fait c'est une suite de combats. Ouais, il me fait au bobo. En plus, je suis à poil, je suis en mode torse-poil. D'accord, en fait, c'est... Voilà, c'est... ça va augmenter en difficulté. Donc là, on est en combattant régulier. Et je dois en faire 3 d'affilée. Ouais, on n'est pas des moines Shaolin non plus. Hein. Dire les bâtons, c'est un peu dépassé. En plus, comment je m'en sers comme un mec qui a utilisé son bâton pour le se mettre dans un orifice que un peu bizarre. Ah oui, oui. Je suis un gros fou, en plus c'est des combattants vétérans maintenant. Ah. Ça par contre je suis à l'aise avec ce genre d'arme. Ça va. Je suis vraiment très à l'aise. Je me demande quand est-ce que ça va se finir. Et oh. Voilà, celui-là il m'a fait mal. En même temps, je suis pas très à l'aise avec les bâtons. Ils vont quand même vachement vite sur maintenant là. Ça devient plus compliqué. Voilà, ça va mieux. D'accord, c'est tout? Ok, d'accord. Bon, bah là, je me suis entraîné. Je me suis entraîné. Je suis à combien d'XP? Ah, et je suis presque au niveau 10. Donc, du coup, retour à Jelkala. Aller chercher le roi
si possible du combat. Parce que là c'était un peu simple, du 1 contre 1 j'y arrive. Mais dès qu'on passe en 2 contre 1, je commence à galérer un peu. Alors, oh là là, encore des promotions. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose. Eh si, il y a des déserteurs, mais sauf qu'ils doivent aller trop vite, je pense. Ils font 5,6 sur du 4,8. Il y a des pilleurs, mais... Ah, ils vont me distancer. Déserteurs, là, ça serait cool, parce que 51, je pense que je peux les écraser, mais... Genre, bien comme il faut. Oups. Vite que je me trouve de la bouffe. On va aller acheter de la bouffe. Là, il n'y en a plus. C'est vrai que là, on commence à être beaucoup. Il va falloir que j'achète pas mal de nourriture. Alors. Voilà. Ça me fait mal au porte-monnaie. Mais au moins, ils sont plus mécontents. Côté de Jelkala. Ah, encore des promotions. Et ils vont finir par me ruiner, hein. Je pense que là, je vais retrouver le roi. Et je vais lui demander un fief. Ah, un piège. Quand même. On ne me tape pas impunément. Alors, et qui? Une Estrelle, un voyageur, un épéiste mercenaire. Ok. Il y a qui ici? Ah, il y a quelqu'un. Qui es-tu? Attendez, je me replace sur la chaise. Où est le roi? Il doit être du côté de Jelka là. Mais je l'ai pas vu. S'il est là. Je suis juste aveugle. Alors, est-ce que t'as une tâche? Ah bah les impôts. Cool. Des impôts à Jelkala. C'est parti. Ça va me refaire un petit peu d'argent. Allez, on est reparti. Alors, la dernière fois, on avait quoi? 7000 deniers. On en avait obtenu 1500. Là, l'idéal, ça serait de faire beaucoup plus. Je me disais que là j'allais être à court d'argent vu que je suis à moins de 200 par semaine. Là ça va bien. Reste par là le roi là. À 7600. C'est pas mal. Bon oui. Les relations se sont détériorées, mais pas tant que ça en fait. Hein. Je suis passé de 4 à 6. Aïe. Reviens là, reviens là, reviens là.
Alors, est-ce que t'as une tâche? Il faut que j'aille au château de Jamayed. À Emir Radoun. C'est où le château de Jamayed? Ok, c'est pas du tout la porte à côté. J'espère qu'il sera encore là, le mec. Ça m'étonnerait fortement. Mais je croise les doigts. Faudrait que j'achète un peu de la nourriture. Ça part tellement vite. Il y aura des promotions. Faut que j'achète de la nourriture. Il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment beaucoup de choses à faire. Du côté de Shell 16, on va acheter de la nourriture. D'accord, il y avait juste ça en nourriture. Le château, il est là. C'est genre vraiment loin quand même par contre. Celui-là, il est vraiment loin. Bah du coup, peut-être que je vais vous couper la séquence jusqu'à ce que j'aille là-bas. Allez, je vous coupe la séquence, à tout de suite. Allez, je vous reprends, donc je suis arrivé au château, sauf qu'il était pas là, donc j'ai demandé au Gugus qui était là de me dire où est-ce qu'il est, et il est en route pour le château de Weya, et il devrait être près de Stekmetnetnia en ce moment. D'accord, donc en fait il est pas très loin, donc vu que c'est juste à côté. Non, c'est pas Ilmir Tidisan que je cherche. Il est en route pour château de Wei machin là. Peut-être demander à toi. Emir Radoun. Il devrait être près de château de Terama en ce moment. Ah, il a vaché, pas là. Il est vraiment pas à côté. Alors, il va ici. Alors, tu peux me dire où est-ce qu'il est? Cagult. Ouais, on y est. Ok, on n'est pas loin, ça va. Emir Radoun, je t'ai vu. Ah, pas trop vite. Voilà. On peut rentrer. Oups, non, c'est pas ça que je fais. On peut rentrer, on va passer par Veluca. Les promotions un peu partout. Hein, d'ailleurs, le château d'Almera a été pris, d'ailleurs Saren aussi. Ils ont été pris. Donc pour l'instant, les Rodok ne gagnent pas vraiment. Eh ben. Ouais, du côté de Jelkala, je regarde, mais il n'y a vraiment plus rien en fait, c'est bizarre. Hein. Il n'y a vraiment plus de baston une fois qu'on atteint un certain seuil. Voilà, faudrait que j'aille chercher les pirates de la mer ou des trucs comme ça, mais c'est genre tout au nord et c'est pas franchement à côté de ce que je veux faire. Alors je pourrais aller dans les steppes. Là ça va être galère aussi. Ça fait une vingtaine de minutes déjà. Après, je peux peut-être aller piller sa reine histoire de dire ouais.
On peut peut-être piller sa raid. Allez, on va essayer de piller ça. Qui était échoué, dépister les bandits. Et bah bravo. Je savais même pas où ils étaient. Je vais essayer de piller sa reine. Et après on arrêtera là. Ok, ça fait rien. C'est génial, il faudrait que j'achète de la nourriture. J'ai plus de nourriture. Ok, d'accord, donc faudra que j'arrête de faire ça avec lui. Bon, c'est pas très grave, on va arrêter là cet épisode. Pas très mouvementé, je m'en excuse, mais moi aussi ça m'embête, j'aimerais que ça soit un peu plus mouvementé. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous !